Merci beaucoup de vous être présenté en si grand nombre. Et j'aimerais, de ma part et de la part de toute l'équipe, vous souhaiter la bienvenue à la conférence de presse, soulignant le début d'un grand projet d'envergure pour la ville de Mirabel, mais également pour la région des Laurentides. Donc, sous peu, un nouveau concept de complexe hôtelier sera érigé au centre de la cité de Mirabel. Et aujourd'hui, on vous invite, en fait, pour débuter ce grand projet puis vous parler un petit peu plus de ce concept. Je suis super content de vous voir ici aujourd'hui. J'attendais environ 50 personnes, puis on est très surpris de vous voir ici. On est environ plus de 300 personnes. Alors, félicitations à vous tous de vous avoir déplacé, parce que sans vous, un projet comme ça, ça ne peut pas fonctionner. Chaque personne qui est dans la cité de Mirabel et les efforts que ces gens-là mettent, le cœur qu'ils mettent, c'est ce qui fait la différence de la cité de Mirabel de plusieurs projets érigés dans la grande région du Grand Montréal. Puis, pourquoi qu'on se démarque? Parce qu'on s'entoure de bonnes personnes de cœur. Alors, on en est très fiers d'être Canadiens, des Québécois, réussir à réaliser un projet aussi grandiose avec si peu de moyens financiers. Notre but, c'est de créer un hôtel qui va faire rouler l'économie locale. C'est un hôtel qui va attirer des événements, des spectacles. Au lieu de partir avec nos voitures, aller dans le centre-ville, avoir la difficulté à stationner, le temps de se rendre, le temps de revenir, mais vous allez avoir tout ça ici à Mirabel. Alors, on est super fiers de vous dévoiler aujourd'hui la cache de la cité. La cache de la cité sera l'hôtel de demain, un hôtel toujours à l'affût des dernières tendances, où les nouvelles technologies vont participer à réinventer le service de l'hôtellerie et où la proximité des gens sera la priorité. Merci. Êtes-vous fiers de ce qui s'en vient ici à la cité de Mirabel? Est-ce qu'on est capable, nous, les Québécois, aussi, de faire des choses aussi grandes que les Américains? Good, je vous entends pas.